Yo les gens, c'est Darknex et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 pour un petit match à mort par équipe sur Résistance. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va impeccable et comme vous le voyez on a la CR silencieux, viseur laser comme à chaque fois quand je tente une MOAB, j'ai envie de dire c'est ma classe par défaut. Avec conditions extrêmes, détermination, tracker et puis les atouts spécialistes, assassin, pillard et indétectable je crois, ouais c'est ça. Et puis un petit radar portatif, je crois même pas que je vais m'en servir dans ce gameplay, mais c'est pas ça qui importe dans la vidéo, c'est juste que j'ai envie de vous parler d'un sujet juste avant que je commence. J'étais avec Ange dans la partie, donc ne faites pas gaffe à son score à la fin de la partie. De 1, ça faisait un mois et demi qu'elle avait pas joué à Call of, parce qu'elle avait plus de manette. Et de 2, je lui avais dit de pas faire trop de frags, enfin un bout d'un moment dans la partie, je lui ai dit fais plus de frags parce que sinon ça va être mort pour ma MOAB. Du coup, elle m'a obéi comme une gentille fille, j'ai envie de dire. Non, je rigole. Mais elle a fait une partie de merde, hein, faut le dire. Donc, ne regardez surtout pas ça, j'ai juste fait ma MOAB, basta. Il me fallait juste un gameplay pour parler de ce que je vais parler maintenant. Donc voilà, j'ai planté le décor maintenant, regardez le gameplay et puis écoutez-moi. Voilà, voilà. Donc ouais, je vais vous parler aujourd'hui d'un truc que j'ai déjà parlé plusieurs fois, que ce soit au début, au milieu et maintenant, au niveau de ma chaîne, qui est les bugs d'abonnement. Enfin, je me suis rendu compte là, quand j'ai regardé mes abonnements, en fait j'étais abonné à peu près 145 chaînes, si je me rappelle bien. Et j'ai fait le tri, parce qu'il y a des chaînes qui n'existent plus, ou il y a des chaînes que je regarde plus, ou tout simplement des gens qui ont arrêté en fait. Et donc j'ai trié mes abonnements et je suis redescendu à 97 abonnements, donc de 145 à 97, il y a quand même un gros écart j'ai envie de dire. Et je vous conseille de trier vos abonnements, désabonnez-vous des gens qui ne sont plus actifs, des gens que vous regardez plus ou des gens qui ont supprimé leur chaîne parce que leur chaîne reste toujours dans vos abonnements. Faites-le parce que ça évitera le bug d'abonnement quand les vidéos, quand vos youtubeurs sortent des vidéos et que vous les voyez pas dans vos abonnements, c'est tout simplement... En tout cas, c'est une des causes, c'est que vous êtes abonné à trop de chaînes, du coup, votre compte YouTube plante, hein, on peut dire ça comme ça, il affiche pas tout ce qui sort, parce que vous êtes abonné à trop de monde, en fait. Et je m'en suis rendu compte, parce que dès que j'ai supprimé les quelques abonnements, bah, y a des vidéos, enfin des youtubeurs que je voyais jamais dans mes abonnements, et je les ai vus apparaître, enfin, comme par magie, j'ai envie de dire. Donc, de 1, c'est le premier conseil que je peux vous donner, faites des tris dans vos abonnements. Sinon vous pouvez aussi, ça sert un peu de raccourci j'ai envie de dire, épingler vos youtubeurs préférés sur le côté. Donc ça c'est quand vous allez dans vos abonnements, vous regardez tous vos abonnements et puis vous cliquez sur la petite épingle, ça épingle votre youtubeur sur le côté gauche de votre page d'accueil YouTube. Comme ça vous avez juste à cliquer sur le nom de votre youtubeur, vous arrivez sur sa chaîne. Comme ça c'est beaucoup plus rapide et plus sympathique. Moi je dois avoir Dark Funeral, Monsieur le V12, Mr B-Boy et tout sur le côté je pense, si je me rappelle bien. Sinon vous pouvez aussi, quand vous vous abonnez à votre youtubeur, vous restez vous laissez votre souris sur le abonné et vous pouvez cliquer la case, enfin cocher la case plutôt, recevoir un mail dès que le youtubeur sort une vidéo. En gros vous recevrez un email dès que votre youtubeur posterez une vidéo, comme ça vous êtes sûr de pas louper la vidéo en quelque sorte. Donc faites-le si vraiment vous voulez rien louper. C'était le troisième petit conseil. Sinon je vais vous mettre un screenshot maintenant. Vous avez en haut abonnement, avec le premier petit cercle où il y a là une case de cocher, n'affichez que les vidéos mises en ligne. Je vous conseille de la cocher parce que si vous décochez cette case, en gros vous allez avoir tous les commentaires, tous les j'aime et tout ça de vos youtubeurs qui par exemple, on va dire il y a Monsieur le V12, il met un j'aime sur une vidéo et ça va apparaître, il va mettre un commentaire, ça va apparaître. Donc je vous conseille de cocher cette case justement, sinon vous allez être spammé de tous vos youtubeurs. Imaginez-moi avec mes 96 abonnements sur l'écran là. Imaginez-moi si je la décoche, j'aurais tous les j'aime des 96 youtubeurs et tout, ça serait la mort quoi, je vous ferai toutes les vidéos qui sortent. Donc je vous conseille de cocher cette case, à moins que si vous avez que 10 abonnements ou 15, bah, décochez là la case. Parce que voilà, vous n'avez pas beaucoup d'abonnements donc ça va pas gêner grand chose, mais je vous conseille de la cocher quand même. Et à côté vous avez affiché, vous cliquez dessus, ça va mettre les meilleures vidéos et tout. Vous cochez tout, comme ça, par exemple Dark Funeral, c'est mon youtubeur préféré, on va dire. Celui que je suis le plus.
Il fait un let's play sur Darksiders et dès qu'il sort 3 épisodes par journée, soi-disant, si vous cliquez pas sur tout, et ben vous allez en voir qu'un, le dernier épisode qu'il aura posté. Les deux d'avant, vous les verrez pas, donc cliquez sur tout et vous verrez toutes les vidéos de tous les youtubeurs comme ça. C'est fait et ben vous aurez pas de problème normalement avec ça, avec tout ce que je vous ai dit, votre YouTube buggera un minimum, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. N'hésitez pas surtout à partager cette vidéo à vos potes pour qu'ils m'écoutent, pour que je donne des conseils à un peu tout le monde. Je débloque ma Moab, c'était ma troisième Moab, je fais un 24-0 dans la partie, pour moi c'est impeccable. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook et Twitter, tout est dans la description comme d'habitude. En tout cas, c'était Darknex, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à plus tout le monde, salut.